Bon ben voilà, on y est, 2020, c'est fini, welcome 2021. Wouhou ! Je voulais vous souhaiter, les petits chéris, les petites chouquettes, une très belle année 2021 à venir, vraiment une super bonne année pour vous, pour nous, pour moi, pour toi, pour un petit peu tout le monde, ouais. Toi aussi qui regarde cette vidéo, toi aussi t'as le droit de passer une bonne année. Alors, oui, il y aura encore des confinements, oui, il y aura encore des interdictions, des privations de liberté, oui, ça va devenir de plus en plus moral, pudibond, on va de plus en plus se faire chier la vie, n'ayez aucun doute là-dessus. Mais du coup, comme on va tous aller bien se faire enculer, eh ben, la solution, c'est peut-être de mettre de la vaseline, hein. Soyons calmes, mettons de la vaseline, on pourra peut-être prendre notre pied au passage. Et puis, la solution aussi, c'est arrêtons de nous dire que la solution miracle va arriver de l'extérieur, que l'homme providentiel va nous sauver, la femme providentielle, l'État providentiel. Faisons en sorte que nos vies à nous soient belles. Je crois que c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. C'est de vivre la plus belle des vies qui soit, de vivre la meilleure année qui soit, en nous concentrant, nous, sur ce qui nous fait du bien dans nos vies, et en faisant en sorte d'être heureux et de mettre de la joie dans tout ce qu'on fait. Même si ce qu'on fait nous fait chier, eh ben, des fois c'est pas simple, mais on peut arriver à mettre de la joie. Et puis, amusons-nous, quoi, amusons-nous. On va changer la bannière YouTube. Et maintenant, après s'être bien fait enculer, pensez à keep calm and take a fist. Voilà. Pensez à la vaseline. Vraiment, la vaseline, cette année, ça va être important. Vraiment, Crisco. beaucoup de vaseline. Le Crisco est ton ami. Le Crisco est ton ami parce que tu peux, du coup, tu peux take a fist et tu peux aussi faire des cupcakes. Et ça, c'est la classe. C'est-à-dire que non seulement... Voilà. Un fist, un cupcake, et du coup, on va tous finir obèses, et on va tous mourir du Covid, parce qu'on sera atteint de comorbidité, et ça va être génial. Non, pardon, c'était horrible, j'aurais pas dû finir là-dessus. Le but, c'est de vous souhaiter une bonne année, de nous souhaiter une bonne année, mais, franchement, marrons-nous, hein, parce que... Donc voilà, en gros, bonne année quoi. En gros, faisons-nous une belle vie. Et puis, j'adore cette phrase, c'est si tu veux que le monde change, commence par changer toi-même. Ouais, on est un petit peu dans un mode philosophique. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, commence par le changer toi-même. Donc si par exemple tu rêves d'avoir une très grosse bite, continue de rêver. Si tu rêves d'avoir des très gros nichons, tu peux te faire mettre du plastique à l'intérieur. C'est un choix, ce n'est pas le mien. Après, on peut faire un truc, c'est qu'il y a des choses comme ça, c'est compliqué de les changer. Tu rêves d'avoir une très grosse bite et ce n'est pas ton cas. Eh ben, apprends à aimer ta petite bite. C'est une bonne idée. Tu rêves d'avoir des très gros nichons mais tu es pauvre, donc tu ne pourras pas te faire mettre du plastique à l'intérieur. Apprends à aimer tes petits nichons. Ça peut être une solution. Et par contre, il y a plein de petites choses qu'on peut changer. Hein. C'est-à-dire que sur la connerie ambiante qui se met en place, sur de moins en moins de liberté, de plus en plus de morale, de pudibonderie, etc. Les petites choses, c'est quoi? Vous avez envie de mettre une petite jupe courte? Mettez-la. What the fuck? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que tu vas penser de moi? T'as envie de dire... truc hyper féministe. J'ai pensé à ça il y a pas longtemps. Truc hyper féministe. T'as envie de dire à un mec que tu croises sur le marché que tu le trouves beau, ben pourquoi tu lui dirais pas? Franchement, ça fait plaisir, vous êtes super mignon quoi. Ça veut pas dire que tu veux coucher avec lui, tu as juste envie de dire vous êtes mignon, parce que c'est pas si fréquent. alors après pour les mecs c'est compliqué, hein. T'as envie de dire à une meuf qu'elle est mignonne, ben pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire? Les mecs, je suis désolée pour vous les gars, en ce moment c'est un peu dur. En fait, voilà. Faut se jouer dédaigneux des mecs, c'est on leur dit. Rien, on les aborde mais plus si, jusqu'à ce qu'elles rampent devant nous telles des femelles assoiffées. Moi ça me fait plaisir quand un mec me dit que je suis mignonne. Après il y a des fois des trucs où on te dit, quand on te dit putain t'es hyper mignonne, je peux te bourrer le cul, tu dis alors merci pour le mignonne, par contre tu vas pas me bourrer le cul. Mais on n'est pas obligé de le prendre mal. Après c'est moi, je le prends pas mal, juste je dis non quoi. Des petites choses pour changer. Vous trouvez que le monde est trop moral, trop pudibond? Bah par exemple, partagez une vidéo d'un test de sextoy. Partagez sur des réseaux sociaux un dessinateur ou une dessinatrice qui fait des dessins érotiques. Partagez des lectures érotiques. Partagez des choses ou arrêtez d'avoir honte en vous disant « Oh là là, si on savait que je regarde ça ou que je lis ça, mon Dieu, la honte !»
Justement, arrêtons d'avoir honte et osons partager, osons montrer ce qu'on aime et le partager avec ceux qu'on aime, c'est ça qui va peut-être un peu changer les choses. Si vous êtes tout le temps sur YouTube, pensez par exemple à aller sur Peertube, parce que c'est pas le même fonctionnement et ça permet d'avoir d'autres plateformes que les GAFAM en fait, qui ont un petit peu le monopole et qui décident de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Pareil, si au lieu d'aller sur Zoom, vous allez sur Jitsi, vive Framasoft et tous leurs potes qui font des trucs gratuits et qui font des trucs libres surtout. C'est la liberté qui va prendre cher, hein, qu'on est en train de renier, donc tous les endroits où on peut être le plus libre possible, et ben profitons-en. Et je crois que le premier endroit, et ça s'adresse à vous, à moi, à tout le monde, le premier endroit où on peut gagner de l'espace et de la liberté, c'est quand même dans nos tronches, quoi. Donc, peut-être mettons-nous des alarmes aussi, tous les trucs où on se dit oh, « Non mais ça, putain, c'est pas possible, je peux pas le faire, je peux même pas l'imaginer. » Ben, essayons de mettre un peu d'espace et de se dire « Ouais, je peux l'imaginer. Ouais, je peux m'avouer que j'ai tel fantasme. Oh mon Dieu !» C'est pas grave, c'est juste un fantasme, tout va bien. Je te jure, tu n'as rien fait de mal. Et puis, ouais, je peux me dire « Allez, ouh, je me lance, je m'offre un sextoy et je m'en sers. Wouh !» Et puis, je peux me dire « Waouh, et ben, cette personne, je l'aime beaucoup et je peux lui dire que je l'aime, en fait. Je peux dire à quelqu'un que je le trouve gentil, que je le trouve beau, que je la trouve belle, que j'aime quelqu'un. » Voilà, c'est... Montrons-nous. Je crois que c'est important. Et un dernier conseil. Arrêtez de croire et d'écouter les youtubeuses et les instagrammeuses. Il faut arrêter, vraiment, arrêter de croire et d'écouter les instagrammeuses et les youtubeuses parce que ce n'est pas la réalité. Alors maintenant, tu fermes ta gueule, tu caches parce tout, tu cadenasses. Nous, on les connaît. Ouais, faut s'en méfier. C'est pas joli, joli, joli. Entre ce qu'elles vous disent et ce qu'elles font. Ouais, là, comme ça, je pourrais vous dire, ah bah c'est comme ça, je vous montre ma culotte et la culotte sur la tête, mais non, on est sur YouTube et si je veux pas me faire fermer ma chaîne. Bon, bonne année, vraiment, très très belle année. Prenez soin de vous, on va se faire des belles vies, on va passer une belle année ensemble, je vous embrasse très 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 fort. Et à très vite pour plein de vidéos avec toujours plus d'infos, de sexo et de conneries. Wouhou!